Mathieu Dorn, qui est le président de la MAC, Association des motos anciennes du Calaisie. C'est un club qui existe depuis 4 ans maintenant, qui est basé à Guignes, qui a été créé par M. José Jouan, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Et aujourd'hui, on fait le troisième salon du club. L'idée cette année, c'est après avoir fait deux salons consécutifs avec exclusivement des motos. L'année passée, on avait même privilégié la quantité de motos pour fêter les 100 ans de la moto. Mais cette année, on a décidé de prolonger l'aventure, mais de changer, de trouver un thème différent. Et l'idée cette année, c'est de présenter uniquement des motos et associées à des voitures d'exception. Donc l'idée, on ne cherche pas le quantitatif, mais le qualitatif, avec une douzaine de voitures assez rares, qu'on ne voit pas partout, qui servent d'écrin à présenter une soixantaine de motos d'exception aussi. Cette année, comme je disais, on a associé des voitures d'exception et des motos d'exception. On n'a qu'une douzaine de voitures, mais ce sont des voitures très rares, de grande valeur. La plupart, ce sont des cabriolets. On a associé ça avec des motos aussi qu'on a essayé d'organiser également par pays. C'est-à-dire que les voitures italiennes mettent en valeur les motos italiennes, les voitures anglaises, les motos anglaises, les voitures françaises, les motos françaises, les voitures allemandes pour les motos allemandes, les voitures américaines pour les motos américaines. Par exemple, on a une belle collection de motos de compétition, les MV Agusta, qui sont la moto de prédilection de Giacomo Agostini. On a ici une collection de plus de 6 MV Agusta, qui rentrent à l'histoire, qui sont assez rares. Donc, c'est assez rare de concentrer autant de MV Agusta de ce type-là sur un salon dans les Hauts-de-France, je dirais. Les plus vieilles, on démarre juste avant-guerre avec une voiture, un vieux cabriolet Citroën Rosalie qui date de 1933, et autour on a associé les plus belles marques de motos françaises d'avant-guerre comme Gnomeron, Terro et autres. Pourquoi je suis venu à la Face Vega? C'est à l'occasion de la recherche d'un second véhicule. En cherchant sur internet, je suis retombé sur la marque Facel, souvenir d'enfance. Et donc j'ai eu l'occasion d'en acheter une deuxième et une suivante. Celle-ci, c'est la Facelia, c'est la première voiture de petit gabarit que Jean Daninos, le propriétaire de la marque, a voulu créer. À la base, Facel Vega ne construisait que des grosses voitures avec un moteur V8 Chrysler. Celle-ci a un moteur français, le fameux moteur Pont-à-Mousson, qui a causé beaucoup de problèmes à la marque. Bon, celui-ci a été fiabilisé, la voiture tourne très bien. Elle est intéressante dans le sens que c'est la troisième de la série vendue. Elle porte le numéro de châssis 105 avec son moteur d'origine, les numéros 101 et 102 étant les prototypes. Vous la reconnaîtrez peut-être parce qu'on la voit beaucoup dans les petits meurtres d'Agatha Christie, hormis que dans le feuilleton, c'est le modèle avec le hardtop soudé. Alors, les tableaux de bord de Facel Vega sont de toute beauté. Alors ici, sur la Facelia, vous le voyez, le tableau de bord est noir. Sur les grosses Facel Vega, sur les Facel 3, les Facel 6, ensuite aussi également sur la Facelia, les tableaux de bord étaient en métal, mais peint à la main. C'est de toute beauté. Facel Vega a conçu la Facel 3 avec le moteur B18 Volvo, boîte de vitesse Volvo également, et même en option un overdrive. La voiture a eu un certain succès. Suite à la Facel 3, il y a eu également 43 Facel 6 avec le moteur 6 cylindres de l'Austin Healey qui développait 150 chevaux. Alors aujourd'hui, l'amicale Facel Vega compte environ 650 membres qui sont tous heureux de prolonger la vie de cette dernière marque de voitures de prestige française qui n'a malheureusement existé que 10 ans, de 1954 à 1964.